Et après. Alors, du coup, je suis parti jouer moi. Tu joues à quoi? Brabli second. T'en es où dans le jeu? Je sais plus, ça fait une éternité que j'ai pas. Oh, moi d'ailleurs, vu que tu parles de ça, va falloir que je me motive à recommencer Bravely Default. Je l'ai pas moi. Bah, c'est que moi, je l'avais commencé peu de temps avant de revendre ma 3DS, du coup, donc j'ai pas eu le temps de le terminer. C'est couillon. Ouais, mais j'avais pas vraiment le choix au moment où je l'ai revendu ma 3DS. C'était ça ou j'étais à la rue. Il Très couillon. fallait que je donne de l'argent au centre où j'étais hébergé. Je confirme, c'est très couillon. Ah oui, c'est très couillon. Non, mais quand tu te dis que j'ai fait tout ça pour une gonzesse, tout. Ouais, celle-là encore plus, du coup. Merci de me traiter de gros couillon alors. De rien. Par hasard, pourquoi il y a deux timers quand on met le jeu sur pause? Il y en a un, c'est mon timer Alors, il y en de. a un, c'est le temps de jeu total. L'autre, Ouais. c'est le temps de jeu quand tu as repris la sauvegarde. Ok, donc du coup, depuis que Le temps de j'ai. jeu que tu as, en fait, depuis que Depuis. tu as chargé, en fait, ta Ouais, donc partie. depuis mon game over, en fait, j'ai rejoué 30 minutes, quoi. C'est ça. Plus quasiment, on va dire, plus 30 minutes à peu près avant. Mais les 30 minutes avant, eux, ne sont pas compris dans le Oui, non, temps mais c'est total. je compte de tête, en fait. J'ai joué une heure en gros, quoi. Juste avant. Ouais, vu que j'ai fait une pause entre les deux, ça va sur. Au pire, je vais. Une fois que je transférerai la VOD de Twitch à YouTube, je partagerai ça en deux trucs. Ça fera deux vidéos d'une heure, parce que là je vais jouer encore jusqu'à 3h, 3h15 et je vais arrêter. 3h, 3h15. Ah, faut que j'aille dormir quand même. J'ai failli me péter la gueule là. Non Le mais je suis tellement crevé que j'ai failli mec me il va se péter. réveiller à 18h après encore une fois. Non, quand je me réveille à 18h, c'est que je me suis couché vers 10-11h du mat. Ah, ça va, je me couche à 3h, je vais me lever vers 14-15h. Faut que je me réveille avant 11h moi, ça serait bien. Il paraît que c'est bien, sinon il paraît aussi que tu vas être en retard au boulot. Je commence à 13h. Justement, c'est mieux de se lever tôt quand même. Le temps de se préparer, enfin de se réveiller, de se préparer, manger un morceau, y jouer à FF13 avant de partir, par exemple. Entre autres. Entre autres. Et je me dis, il faudra que j'en parle à GG quand il aura la motivation et qu'il aura peut-être un peu de temps pour faire ce genre de truc. Vu la connaissance qu'il a sur FF13, à force GG, il pourrait se mettre à speedrunner le jeu. Lui ou Ouais. toi? Non, lui, moi, FF13, il est trop long pour moi à speedrunner, attends. Moi, les deux seuls FF que j'aurais envie de speedrunner parce qu'ils sont pas trop longs justement, c'est le 1 et type 0. Attends, le 13 du coup il est branlé où? Non, ça c'est Lightning Returns. Va passer par celui-là pour aller sur l'autre au pire. Ah, Lightning Returns il est pas très long aussi, il fait 2 heures à peu près. Bon, le world record est à 2 heures en any % normal. Du coup, en easy il est Deux à heures de jeu? 2 heures 5 minutes et 5 secondes. Ah ouais. Sur la version PC. Sur console, après, c'est un peu plus long. Et Pourquoi? Bah, c'est plus long parce que le jeu tourne qu'à 30 FPS, en fait. Il tourne pas à 60. Donc, Sur console?
Bah oui, sur PS3 et 360, il est pas à 60 FPS, Lightning Returns. Hein. Ah, d'accord, Comme je pensais. le 13 et le 13-2 d'ailleurs. Les Ah. jeux sont beaucoup trop beaux graphiquement pour tourner à 60 FPS. Ah, ça, je confirme qu'ils sont beaux graphiquement, hein. Je Ah m'arrête souvent oui! pour regarder le décor. Ah mais oui, mais moi sur PS3, quand je m'étais racheté ma PS3 Fat quand j'étais à Chaumont, là, et que j'avais recommencé FF13, j'en prenais plein les mirettes, on va dire, puisque c'était la première fois que je jouais à FF13 sur console, sur un écran en HDMI, du coup. Parce qu'avant, j'y jouais à la PS3, mais en Péritel, moi, sur une ancienne télé. Donc je faisais pas trop gaffe au décor plus que ça, quoi. Et du coup, tu te dis là, le record en. Ah, il n'y a pas tant de différence que ça entre la difficulté normale et la difficulté facile. En facile, le record du monde, il est à 1h59 minutes et 30 secondes. Sur PC. Et en normal? Et en normal, du coup, il est à 2h05 minutes. Il y a 6 minutes de 6 minutes de différence entre le normal et le facile. Faudrait que je regarde ça. Je copie le lien dans le channel speedrun au pire. Pour FF13. Enfin, c'est pour Ok. la pour Je vais voir ça sur téléphone. Lightning Returns plutôt. Je vais me le regarder en même temps que je vois ton live. Ok. Enfin, une fois que ton live aura repris, hein. On verra bien c'est quand. Parce que, à part le chat qui bouge, en fait, moi je vois pas de différence pour le moment. Oui, bah normal, je fais ma clope. C'est pas bien. Enfin, je roulais ma clope, je commençais à Ah, fumer et puis c'était quoi ce je te bruit de parlais en même temps. bouteille? C'est C'est quoi pas. ce bruit de bouteille? Peu d'attention, s'il vous plaît. Hein. Alcoolique! T'appelles ça un bruit de bouteille, toi? Ah, je sais pas, j'entendais du verre. C'est ma tasse. J'ai été me reprendre un café en même temps. Besoin du café pour tenir là, parce que sinon je serais déjà en train de dormir sur le bureau. Mais oui, à la base j'étais parti voir le record pour FF13, pas pour FF13 Lightning Returns, moi. De base quand même. Alors, FF13. Ah, tu l'as pas encore mis? Non, je Ah t'ai non, c'est mis. vrai C'est que Lightning Returns que je t'ai mis. c'est dans les speedruns. C'est vrai que Ouais. moi j'ai mute ce salon, donc je peux pas. C'est pour ça en fait que j'ai rien vu. Alors, le 13-2 en Any% PC, il est à 2h40 minutes. Le record du monde. Putain, il y a des tarés qui ont fait la version 160 fragments du 13-2, du coup sur PC, en 10h26 minutes et 23 secondes. Ah, Putain, je te l'accorde, c'est Ah ouais, mais que il y a. faire ça, c'est Bah non, mais quand tu vois déjà les FF à partir du 7, on va dire, ça fait partie des plus longs à faire en speedrun, puisque c'est dans les 8 à 9 heures de jeu. Moi, je m'imagine même pas faire un speedrun aussi long, quoi. Je perdrai ma motivation pendant le speedrun. Et du coup, ah bah, FF13 classique, ça pique un peu plus le temps de jeu par contre. Parce que FF13-2, du coup, c'est-à-dire. bah FF13-2 là, c'était 2h et quelques en Any%, juste faire le jeu sans forcément faire tout le jeu à 100%. Là, FF13, c'est 4h, 53 minutes et 55 secondes, le record du monde. Et il y a des Non, tarés mais au qu'on. début, moi, je pensais que tu parlais de FF13 pour les 2 heures. Ah non, 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 tu parlais du 13-2. je t'ai dit, c'était, je t'ai précisé le 13-2. Ah, j'ai pas entendu! Ah, Tout et ça en là. regardant sur YouTube, je vois 4h59, je me dis, ah, il s'est gouré ou quoi? Et c'est. Oui, non, mais ça, c'est le temps de vidéo, souvent, ou les records que tu trouves, quoi. Il n'y a pas de record à 4h59 d'ailleurs. C'est 4h53, 4h54, et après ça passe à 5h. Putain, il y a un mec, il a justement le troisième sur le tableau de speedrun.com pour FF13, il a fait 5h, 0 minutes, 0 secondes. Peut pas être plus précis celui-là. Il devait être content.
Enfin, je te mets aussi celui de FF13 du coup dans le channel. Yep. Oui, parce que moi c'est plutôt celui-ci que je voudrais regarder. Ouais, t'as fait les trois, mais toi, y a non? Y a pas une vidéo du truc? Si tu regardes sur la droite du record, t'as un petit symbole de caméra. Ah ouais, ok, qui a été fait il y a 10 mois. C'est... Et t'as un petit symbole de caméra tout au bout à droite, normalement. C'est... C'est le lien, le symbole de la caméra, en fait, c'est le lien pour aller vers la vidéo du speedrun. Merde, attends. Sortir de la zone. Sauvegarder. Ah ouais, mais par contre, on va entendre le mec, c'est chiant, ça. Bah ça, on peut pas tout avoir. Généralement, les mecs, ils les font en speedrun. Enfin, les speedruns, ils les font en stream sur Twitch, quoi. Direct à 30 minutes. Au début, c'est quand même trop linéaire pour voir une différence. Ouais, mais je pense que c'est surtout de la mémorisation du jeu, équipement, des bons savoir items. Savoir quel objet récupérer ou non. Ouais, voilà, savoir quel objet tu peux ramasser sur ta route, quel ennemi. Bah, il y a beaucoup d'esquives d'ennemis, je pense, quand même. Ah, ça, je m'en doute. Mais c'est surtout se souvenir du éviter les chemins, tu sais, les cul-de-sac optionnels. Juste pour récupérer des items ou combattre des monstres. Doit y avoir ou, plein de... ou sinon prendre celui qui te permet de faire un véritable raccourci. Ouais ouais bah oui, je me souviens. Il y a un endroit où tu peux faire ça. Je me souviens ouais, qu'il y a quelques endroits où c'est des raccourcis. Il y a plusieurs trucs comme ça. Tiens hop, tu viens de trouver un nouveau donjon là. Et c'est... Non, un plan pour un nouveau donjon. Tu viens d'en avoir un nouveau là. Ah ok, j'ai pas fait gaffe en ramassant l'item du coup. J'ai vu écrit add donjon. Donc oui, c'est un plan. Oh, tu as libre à la capacité de Plutia hein, si tu peux attaquer tout le monde. Hein, sinon. Putain, le virus... Ah merde, il est passé en mode... Virus, le dragon. Ouais. Ouais. Il devient sévère après. Enfin quoi que t'as mis en facile toi du coup. Ouais, j'ai weaken un peu les monstres, mais ils sont forts ceux de ce donjon là quand même. Bah forcément, c'est un donjon optionnel. J'aime bien D'ailleurs j'aime bien les musiques du jeu quand même. Hyper dimension. Ouais, ça colle bien à l'ambiance du jeu quoi. Alors, je viens de voir que t'as balancé ça direct sans viser, t'as de la chance que ça touche les deux. J'ai vu que ça a touché quasiment tous les ennemis. Et du coup, je les ai one-shot en plus avec la compétence. Ah non, il y en a un qui était déjà affaibli. Ah oui, je vois le mec, il utilise carrément des furtifs en plus parfois. Bah oui, c'est obligatoire, je pense quand même. Pour que le speedrun se déroule correctement. Surtout qu'il y a un endroit, je m'en souviens, c'est dans... Comment il s'appelle ce vaisseau? Ah oui, le Lindblum. T'as une pléthore d'ennemis là-dedans. Si tu veux vraiment réussir à tous les esquiver, c'est forcément le furtif. Moi, la toute première Sinon, fois... Sinon, tu peux pas, il y en a beaucoup trop. La toute première fois que j'avais commencé le jeu sur... Bah c'était sur 360 à l'époque que je l'avais fait. Que je l'avais commencé. J'avais évité beaucoup d'ennemis, en fait, à certains moments du jeu. Et c'est pour ça que je m'étais retrouvé bloqué, je pense. Attends. Répète. J'avais évité beaucoup d'ennemis, en fait. Oui. Donc du coup, j'étais arrivé au boss
sans être au bon level. Et du coup, j'avais abandonné parce que le jeu m'avait saoulé sur le coup. C'est un truc c'était, con, mais... C'était peut-être partant de Delus. Non, c'était au tout, quasiment au tout début du jeu. Hein. Ah oui, d'accord. Enfin, au tout début, au tout début, façon de parler. C'était pour récupérer l'Eidolon de Lightning. Du coup. Face à Odin. Voilà. J'arrivais pas à combattre Odin correctement. J'avais été voir juste en ligne quelle technique utiliser pour faire monter sa jauge plus rapidement. Mais du coup, j'avais beau faire ça correctement avec L et O, j'arrivais pas à le passer. Il me niquait, il me faisait des one-shot en fait, quasiment. Ah ouais, effectivement, vraiment... Ouais, j'avais vraiment trop évité les ennemis. Ouais, évidemment, tu peux skip les combats, mais faut pas tout faire non plus. Ouais, faut éviter de trop skip, quoi. Ouais, mais c'est, je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le speedrun quand même et qui fait qu'il est assez long, celui d'FF13, comparé à celui du 13-2, c'est qu'il faut réussir à trouver le juste milieu entre éviter des combats, mais avoir assez de combats pour être au bon level quand même derrière. Non, tu t'en sors contre le Nidog? Ouais, ça va pour le moment, il est presque mid-life. C'est marrant, c'est parce qu'en fait... C'est pas censé être un dragon normalement ce truc là. Enfin il est pas censé ressembler à ça. Ah. Ouais, quand tu regardes la mythologie, le Nidog c'est pas vraiment ça. どうしてあげようかしら。なんして痛めつけてまた直してる。相手は誰？クロスコンビネーションで切りたくは。さて、どうしてあげようかしら。 Ah ouais, je vois le truc du speedrun, hein, un truc que moi je ne fais jamais. C'est ce qui se passe, c'est que lui, il a carrément deux fois les mêmes stratégies. Parce qu'en fait, quand tu changes de stratégie, ça reset les jauges ATB. Oui, ça, t'inquiète pas, ça je l'avais remarqué, je l'utilisais même en casu. Ouais, moi aussi. Mais foutre deux fois la même stratégie, non, ça. Non, moi, ça non plus, ça je le faisais pas, mais le fait du reset, ça je l'avais remarqué assez facilement quand même et j'en abusais, on va dire. Parce que certes, moi je l'utilisais, mais pas pour foutre deux fois la même stratégie. Et voilà, le boss il est mouru. Fais-le en mode fortifié maintenant. Non, c'est bon, c'est bon. C'est marrant cette zone en fait, c'est la même zone que de celle que je dois faire pour la suite de l'histoire en fait. Allez, je t'ai dit, c'est beaucoup de reprises de map dans ce jeu. Le recyclage, bonjour. Après, tu vois, t'as des maps où c'est recyclé, mais il y a quand même des différences. Par exemple, t'as un endroit qui est déverrouillé. Ou alors, tu peux aller derrière. Ce que je veux dire, c'est que t'as une zone qui est derrière. Par exemple, tu vois, t'as une map qui est comme ça. Je vais farmer un peu. Quand tu vas tout au fond, en fait, tout au fond à droite, c'est t'as une nouvelle zone derrière. Je vais farmer un peu de Nidog, du coup. Okay. Bah, il m'a fait EP assez facilement, je trouve, donc je vais en profiter. Moi, je m'en souviens au début, il y avait un bon truc que j'avais, c'était avec des baleines, par contre. Un truc qui se faisait assez facilement. Pour farmer ? Ouais,
donner 5000 d'XP chacun et tu as assez facile. Ah ouais, ça va quoi. メガミの力見せてあげるわ。さあ、気合を入れていくわよ。相手は誰？さあ、気合を入れていくわよ。待ってました。いじめがいがありそうね。まだよ、もっといくわ。 相手は誰？クリティカルエッジ。もう始めちゃっていいの？いじめがいがありそうね。まだよ、もっと行くわ。さあ、いつでも行けるよ。 Après moi ce que je peux te conseiller à Plutia c'est de lui mettre des combos uniquement sur la magie. Ouais, faudra que j'aille modifier ça après. Parce que j'ai vu par exemple que Neptune avait... Alors je sais pas si c'est un nouveau Final X ou une nouvelle attaque combo mais elle avait obtenu un truc. Dual Arts. Ouais, je pense que ça doit être un Final X. Ouais. Ouais, je pense aussi puisque bah, c'est pas dans mes compétences donc je pense que oui c'est dans les ex. Ouais, si, je m'en souviens maintenant. Ouais, parce que... Ah, je l'ai fait un peu plus facilement cette fois. C'est bon, t'as monté de niveau. Ouais. Mais non, mais t'exagères là, tu lui foutais un petit coup et c'était fini. Et je le finis de façon classe, monsieur, voilà. Ouais, là, il donne 800 d'XP et 1500 d'argent. Ça va. Je vais farmer un peu les autres monstres parce que je crois que j'en ai besoin pour des quêtes aussi. T'as un truc mémoire, c'est écrit fuck this fucking split. Ça doit être un split qui doit être run killer, je pense. Un peu comme moi avec les liqueurs à la fin de Resident Evil 2 dans ouais, le Ouais, je vois qu'il est en train de reset le combat au même endroit de plusieurs fois là. Mais je pense que ça va être. Dans n'importe quel speedrun, t'as toujours un moment du jeu. On va dire qu'il peut te tuer toute la run. Quand ça arrive tôt dans le jeu, ça va, tu t'en fous, on va dire. Mais quand c'est dans un RPG comme ça, que t'es à 5 heures de... que pour le faire, c'est presque 5 heures de jeu, tu pleures quand ça t'arrive quasiment à la fin. Ce genre de truc. Bah, disons que dans FF13, ça va. Parce que les combats, en fait, tu peux les quitter directement. T'as même pas besoin de les faire. Oui, après tout... C'est pour ça que c'est pratique pour reset les combats et avoir la bonne RNG, on va dire. Puis ce qui est très bien avec le furtif, c'est que ça dure quand même assez longtemps, cette connerie. On va aller à la West Wayne Valley. Là que j'ai Monsieur le Dragon à faire à la base aussi. Moi ce qu'il y a c'est que là il esquive absolument tous les combats du coin. Bah si il est assez si il ouais, est en assez fait, c'est à ce moment là que c'est ce truc là c'est toute la zone qui s'appelle comme ça en fait parce que... Ouais parce qu'il doit absolument éviter les combats quoi. Il sait qu'il a largement le level pour faire le boss et s'il se prend un combat ça lui fait plus perdre de temps qu'autre chose quoi. C'est ça. Là il est avec Saz et Vanille. Ah,
améliore un petit peu les persos. Ils disent même pas tous les points. Bah non, il donne que ce qu'il a besoin vraiment quoi. Il va pas augmenter toutes les stratégies, il va augmenter que celles qu'il a vraiment besoin. Je pense qu'il y a des stratégies qui doivent passer à l'as sur certains persos qui doivent pas du tout monter à part peut-être en début de partie. Ça va, tu t'en sors contre ton dogo géant? Ouais, ça va, je l'ai mis en garde break. J'ai vu que lui, il se soignait quand c'est son tour, là, par moment, il se soigne 6666 de dégâts. Enfin, de vie. 6666, oh, il aimerait tellement ça. D'ailleurs, il faut que tu fasses. Ça va être un très long combat, dans ce cas. Ça va, avec le Fighting Viper de Puka, je lui fais. Enfin, je lui ai fait 20 000 juste avant, là, je lui ai fait 14 000. Ça passe, je pense, ça passe. Non mais c'est pas que tu lui fais 20 000, c'est dans le tour en tout tu lui fais 20 000. Oui, le total damage, c'était marqué. Ouais mais c'est pas avec uniquement Plutia. Oui non mais c'est ce que je veux dire, c'est que juste après c'était son tour. Oui, on s'est compris, t'inquiète pas. Oui, on s'est compris, t'inquiète pas. Voilà. Bon, être fatigué, je comprends encore. Un petit 9999 avec Puffy. Pitchy, désolé. Oula. Mais tant que j'aille dormir, non, moi. Non, avec elle, c'est facile à atteindre. Hein. Il met tant que j'aille dormir, moi, après, quand même. Déjà? Il est même pas 3 heures. J'ai dit après. Après quoi? Pas. Après, quand il sera 3 heures. C'est bizarre, des fois j'arrive à enchaîner les attaques rapidement et des fois ça se fait lentement. Bizarre quand même. Ouais, y'a plus que Neptune hein, qui peut faire des compétences. Ouais, du coup j'ai fait la quête. Et j'ai quasiment tout le monde qui est passé de level. Ah oui, c'est bon, hein. T'es pas censé le réussir à ce niveau-là en temps normal. C'est parce que je l'ai. Oui, tu penses? Il y a des chances, oui, sinon tu lui ferais pas autant de dégâts. Parce que l'affaiblir, en fait, ça affaiblit ses stats, pas ses points de vie, ni sa jauge de break. Oui, j'ai débloqué pas mal de trucs en power. Hot Edge, Ice Edge, Blast Edge, Thunder Edge. Alors, ne mets pas de rush maintenant. Concentre-toi sur les breaks et les powers. Ok? Ouais. Je t'ai entendu. Le rush, en fait, tu mettras ça quand tu auras des attaques X. Là, ça pourra être utile, mais sinon, non, tu t'en fous. Bah j'en ai des trucs ex hein. C'est pour ça que je voulais les remettre pour faire monter ma jauge. Pas des attaques ex, pas des finish ex. Mais je voulais les remettre ça pour faire monter la jauge plus vite. Ça tu le fais avec les petits mobs, c'est tout. Casse pas le cul. Ok chef. J'ai Fire, Thunder. Sinon après tu te concentres sur les breaks et les power, c'est tout.
D'accord. Ils font en sorte de mettre les meilleurs, ceux qui consomment le plus en général. Hein. D'accord, sur Plutia, j'ai une de mes attaques de break qui s'appelle Punishment. Punition. Mais... En plus, je comprends pas pourquoi tu mets pas les mêmes. Parce que y a un... t'en as qui coûte 20, t'en as un autre qui coûte 40. Pourquoi tu mets pas celui à 40? Bah, je sais pas. J'en mets. C'est censé être mieux normalement, alors je vois pas pourquoi tu les mets pas. Bah, j'en mets des différents pour que ça fasse des combos variés. Je sais pas, moi c'est un réflexe. Non, tu mets les meilleurs et c'est tout. Trois fois le même, tu t'en fous. Ok, chef. Tu t'en fous que ce soit varié. Après, à part pour les trucs élémentaires, vaut mieux que j'en mette un choc par contre. Oui, ça, c'est mieux. Là, du coup, je passe en super attaque. Là, je passe tout en break. Sur L, hop, méga des drive. Là, tu vois, Plutia, ses combos, c'est uniquement en magie. Et par exemple, par contre, sur Neptune, j'ai plus assez de trucs pour mettre tout en break, le maximum en break. Pas grave. Bah, tu te concentres sur le power et c'est tout. Ouais, bah, j'ai mis le maximum que je pouvais en power. De toute façon, je vais faire pareil sur tous les persos. Pareil sur les ex-finish. Tu mets pas les ceux auxquels ils sont pas spécialisés. Ouais. Du coup j'ai tu comptes réutiliser If un jour ou pas? Hein? If compa, tu comptes les réutiliser un jour ou pas dans ton parti? Je sais pas, pourquoi? Ouais, je me dis pas la peine de perdre du temps à changer. Moi je préfère faire tout le monde parce que si à un moment je décide de switch. Et t'inquiète pas, Noir va s'en aller, pas besoin de le faire non plus. Hein. Bientôt du coup? À la fin du chapitre. Oui bah pour le moment au pire je suis parti pour farmer des trucs donc... Je vais pas finir le chapitre ce soir je pense. Enfin cette nuit. Voilà comme ça j'ai fait tout le monde. Là je saute... Le truc. Un noir aussi, elle a un truc pour augmenter la force du coup. Et compa, elle apprend pas mal de trucs pour aider au niveau du heal quand même. C'est des trucs de soutien, hein. C'est pour soigner quoi. Mais ce qui est bien par exemple, c'est qu'elle a un heal qui fait tous les alliés. Non, pas tous les alliés. C'est uniquement dans une zone d'effet. Oui, mais oui, justement. Ça peut faire tous tes alliés si t'es assez proche. Oui. Parce que moi, je n'aime pas trop. En général. Bon, je crois que je suis parti pour une nuit blanche, mais... Oh, moi je te suivrai pas dans la nuit blanche. Ah t'as 10 000 de crédit. Ouais t'as personne avec une attaque ex pour le moment c'est dommage. Tu verras que les attaques ex ça va changer ta vie. Quand on aura avec tous tes persos. Oh disons que les boss vont prendre bien cher. Ouais, ils prennent déjà assez cher les boss hein. Enfin, ceux que j'arrive à faire. Allez, franchement, il me manquait peut-être un niveau, deux niveaux peut-être en plus pour réussir à passer le boss du premier coup tout à l'heure, hein, je me dis. La grosse machine, là. La machine. La grosse machine, je dis, monsieur. Qui la machine. Comme ça qu'elle s'appelle, ça. C'est comme ça qu'il prononce. T'en as plein de versions différentes. Oui, il me rappelait un monstre de Yu-Gi-Oh! Tu le dis. Ah.
Merci d'item que je trouve encore au hasard. C'est bien que ça retourne la caméra dès que tu le trouves, comme ça ça évite de le louper. C'est sûr. Bon, vu que je fais des allers-retours dans la zone, de toute façon je l'aurais revu quand même. Du coup, tu as tapé ton dragon? Ouais. Je suis bien plus haut level que ce qu'il fallait normalement. Il y a du chance. Oh oui. On va bourrer avec les attaques spéciales. Je fais 3. Non, j'aurais fait 3 attaques spéciales et je vais le foutre en break. Ah, quasiment en break. Les 3 SP skills. Ah oui, pour le foutre en break quasiment. Bah ouais, je l'aurais quasiment foutu en break avec 3 SP skills. Ça va alors. Vas-y, une prochaine attaque comme ça et tu fous en break du coup. Ah, quoi que non, j'ai vu un miss. Non, quand même le garde break. Allez, Pichi, un bon 5000. Oh, 2700. Ah, mais sa voix, putain. Oh vache, 6600, quand même. Ouais, ça tape dur là, quand même. Encore un 6600 pour le finir. Nickel. Avec Plutia. Ouais. Enfin, après, Plutia, c'est son nom anglais. Bah, le jeu est pas traduit, de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'anime, il appelle Pululu. Ah, d'accord. Ok. C'est son nom officiel en japonais. D'accord. Genre, j'ai même pas commencé à le taper, il passe en mode virus, lui. Pourquoi? Ah oui, il a fait une attaque surprise direct. Dis-toi qu'il y en a deux qui pouvaient le faire là. Et oui. En mode viral, ils ont des meilleurs drops. Oui, j'avais remarqué que ça me donnait des items différents. Ah. Eh, tu vois, quand tu fais punishment là, où... enfin, je crois que c'était ça normalement. Là, la culotte de Plutia, on la voit très bien. Oui, oui, j'ai vu, t'inquiète pas. En fait, y'a même pas d'ennemis ici, du coup. Je fais même plus attention à la vidéo que j'ai sur le téléphone. Ça va, ça veut dire que je m'intéresse au live. C'est bien. Vu que t'es mon seul viewer, de toute façon. Ah, le power up, je suis pas fan là. Moi j'aurais attendu de le foutre en break. Parce que là, c'est pas très très utile quoi. Parce que disons que les 6666, tu vas avoir un petit peu de mal à les atteindre actuellement. Je pense que tu dois un petit peu t'en apercevoir. Sur le tour, je viens de lui faire 14 000, donc au pire. Ah, mais moi sur le premier tour où t'as fait ça, tu l'avais pas mis en break, t'as fait 7000 seulement. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais pas trop fan. Parce que du coup, ça te fait perdre un tour. Ça va que j'ai sauvegardé juste avant pour lui quand même. Ouais, parce que je vois que tu t'es pris. Que tes 3 persos sont pris l'attaque. Et ouais, disons que t'as pris bien cher. Ouais. Un petit switch de personnage pour tout le monde. Ça serait une bonne idée. Non? Ouais. Avec Compa, elle arrive à peine et elle se fait défoncer la gueule. Ah.
Il arrive bientôt à Odin. Tranquille, il mange. Enfin, il grignote. Noir, elle est pas censée pouvoir se transformer? Non. Ok, je croyais. Enfin, si, mais pas maintenant. Elle est censée avoir... elle se fait passer pour amnésique. D'accord. Actuellement. Après que t'aies affronté Noir en mode HDD, tu la rencontres en normal, mais les personnages savent pas que c'est censé être elle. D'accord. Qu'ils avaient affronté juste avant. Non, je te dis, fuis le combat. Tu fais pas assez de dégâts là. Clairement. Tu vas avoir trop de mal. Ça va, j'ai... de toute façon, j'essaie juste à côté, donc... même si je... Je fuis pas. T'es con ? T'as raté la fuite avec Compa ? C'est à nouveau le tour de Compa ? Et tu refais pas la fuite ? Bah si, je l'ai refait. Là, c'est pas... Ah non, putain, oui, c'est... Non, je... tu je... fais défense, t'as bah, fait pareil non, avec Noir. Non, ouais, désolé, j'oublie de... Tu remettre... viens encore de le faire. J'oublie avec de... Avec Noir, pif. Mais pourquoi tu vas par là ? J'oublie arrête de... pas de faire défense, là. J'oublie de remettre, oui, désolé. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai réussi. Là, t'as les trois persos qui se font toucher, alors c'est parler un peu. Non, mais c'est bon, du coup, j'ai réussi à fuir. Ouais, parce que... Bon, ce Dobu-là, on sait pas pour tout de suite, j'ai compris. Ouais, le mec, pour faire le combat avec Odin, il utilise même pas Hawk en soigneur. Il utilise des potions. Avec le code de pharmacie qui fait que ça se coûte deux fois plus. Ouais, bah, et pour bourrer, on va dire, les attaques, le type d'attaque qu'il faut pour faire monter la jauge à Odin plus rapidement, c'est peut-être plus rentable, justement. Ah oui, largement. Vitesse à laquelle il a été. Encore du level up.
Ouais, et puis il n'hésite pas à utiliser l'invocation. Je pense que ça va être bien plus puissant. Une fois qu'ils sont en choc, hop, passer en attaquant. Double fauchage. De toute façon, c'est voilà. Déjà, on va dire de base, même pour jouer de façon classique au jeu, faut quand même avoir des bons réflexes et tout, changer de, entre les stratégies et tout au bon moment. Mais là, dans le speedrun, faut tellement être synchro, on va dire, dans le combat, c'est hallucinant. J'avais pris le temps de regarder quand même le record du monde. Et le mec, il est vraiment skillé sur le jeu, quoi. Après, ouais, ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir le petit temps d'attente quand tu changes la première fois sur les rôles. Tu fais ça sur la fin d'une attaque, par exemple, ouais. Quand t'es en l'air, parce que là, t'as pas les trucs. Là c'est à peine il a fini sa dernière attaque, il a déjà changé les rôles. Ouais, qu'il a déjà changé les rôles, quoi. Et il est déjà en train de programmer sa prochaine attaque, quoi. Cubique. Il se prend une belle attaque spéciale dans la gueule. Ah, une attaque surprise. Alors, Peachy, je crois que de tout le jeu, elle a pas d'attaque de compétence, voire même d'ex-drive, qui soit de multi-cible. Elle doit pas en avoir, elle. Du coup, je vais aller prendre des quêtes encore. Parler au truc. Après, il récupère quand même certains coffres, hein, mais c'est pour vendre les objets. De quoi ? Parce que je l'ai vu, hein, ils vendaient des équipements, des accessoires pour acheter des potions ou d'autres trucs. Oui, je pense qu'il est obligé quand même, vu qu'il évite des combats, il a pas forcément assez de gils derrière pour acheter ce qu'il lui faut. C'est quoi les trucs CPU blog, du coup, que je viens de débloquer ? Ah, tu viens de faire. Tu viens de finir le chapitre? Non, je l'ai pas terminé. J'ai juste. Là, j'étais juste dans mon farm. Dans la station, j'ai débloqué le truc. T'es encore noir dans l'équipe? Oui. C'est bizarre alors. Je pensais que ça apparaissait après. Parce que c'est normalement, en fait, ça, c'est les CPU qui sont censés rédiger ça. Je sais pas, là, j'ai juste le truc Earth, la station. C'est le truc d'explication, je pense. Bah, normalement, je t'ai dit, c'est le blog de la CPU du coin. D'accord. Donc c'est elle qui est censée avoir rédigé ça. Et il me semblait que ça apparaissait après. Et moi, comme je t'ai dit, hein, évite de reconfirmer une quête que tu as déjà faite avec les objets. Oui, de les là, garder en fait pour les plans. J'ai vu que tu en avais fait une là. Que tu avais déjà complétée avec les objets et que tu viens de recompléter. Ouais, mais c'est que je les complète pour avoir des golds. Au pire, je refarmerai les objets une prochaine fois. Disons que c'est plus compliqué de farmer les objets que de farmer les gilles. Ok. Je le saurai du coup. Ajouter des... Après, ce qui est bien, c'est que un même ennemi peut te donner à la fois son drop commun et son drop rare. Ah. Là, oui, il va me manquer... je trouve ça sympa. Là, il va me manquer un choc sur les 4 whiskers, magical fragment et les gel fillers pour débloquer un nouveau donjon, tiens. Le Hortan Field. Ouais, tu le débloques, tu trouveras... quoi que non, t'en as déjà.
Moi j'en ai déjà. J'allais dire, tu trouveras peut-être ces objets plus tard, mais non. Ah non, là par exemple, par contre, pour le Noma Cave, là par contre, j'ai 0 sur chaque item. Le Strange Lump, Aging, Romanticisme, oui, mais Golden Tooth. Ça sera plus tard. Alors, est-ce que je peux activer d'autres items? Bon, moi je peux plus rien faire. De toute façon, je vais arrêter là du coup. Il est 3h. J'aurais bien joué quand même. Je me retenterai le boss la prochaine fois. Ok. Pensez à sauvegarder quand même. Comme ça, moi je te montrerai toutes les tenues. Et je vais te montrer aussi le truc qui m'a pris 3 quarts d'heure là, le combat du Colisée. Avec des personnages niveau